Vous n'aventurez pas à la surface de Mars sans équipement de protection. Heureusement que j'ai réussi à dégager cette balle. Le port d'une combinaison de sécurité. Ça doit être amusant de travailler dans les mines. Sinon, pourquoi recevrait-on autant de candidatures? Vous voilà enfin. J'ai l'impression que vous aviez disparu pendant les lustres. Vous savez à quel point ce travail est difficile, son bras droit? Bien, maintenant nous allons... Vous n'avez pas la même tête que dans mes souvenirs. Vous êtes allé chez Enhance? Ah non, je me souviens. Ils avaient dit qu'ils m'enverraient quelqu'un d'autre. Enfin bref, quand on m'a dit à quel point vous aviez mal répondu au questionnaire de candidature, j'ai eu des doutes. Mais au moins, vous étiez à l'heure. Alors il y a peut-être de l'espoir. Bon, assez bavardé. Mettons-nous au travail. Excellent. Belle initiative, bravo. Mon ancien bras droit n'en avait aucune. Une livraison que j'ai commandée n'est toujours pas arrivée. Et je ne sais pas pourquoi. La dernière fois, mon bras droit a dû parler au gouverneur Hurst. Je ne sais pas ce qu'il a à voir avec ça, mais allez-y et récupérez mon colis. Aucune idée. Au départ, je pensais avoir plusieurs assistants qui se relayaient, mais il s'avère qu'il n'y avait qu'une seule personne et qu'elle a simplement arrêté de venir. Il me semble que mon dernier assistant était censé aller me chercher un café, mais n'est jamais revenu. Sincèrement, je ne sais même plus pourquoi je l'avais fait pleurer. Ce qu'il y a dans le colis? Un bon bras droit sait qu'il ne doit pas poser de questions. Les mauvais bras droits se font virer. Et les bras droits médiocres... Vous savez quoi? J'ai oublié où je voulais en venir, mais peu importe. Allez le chercher, d'accord? Et aussi, je ne me souviens plus très bien. Mais c'est important, ça je le sais. Bonne journée. Détonation de particules pérennes. Fixez bien les objets qui risquent de bouger et tenez-vous sur une surface stable. Restez assis en cas de surprise intérieure. Détonation dans 5, 4, 3, 2, 1. Vous verrez la première grande colonie spatiale de l'UC et ma plus grande fierté. Ah, bonjour. Bienvenue. Je n'ai pas souvent le temps de discuter avec les passants, mais je serai heureux de vous aider, si vous faites vite. Que puis-je pour vous? Quelque chose d'important? Bien, je vous écoute. Eh ben, vous vous êtes donné du mal pour vous faire un nom, pas vrai? C'est bon. C'est pas la peine de jouer la comédie avec moi. Écoutez, j'admire les gens comme vous. Vous n'avez pas d'ennui à moins d'en causer, et vous ne m'avez pas l'air d'être du genre à le faire. Je sais que vous ne travaillez pas vraiment pour Monsieur Brennan. Je ne sais pas exactement ce que vous manigancez, mais ça m'étonnerait que ce soit mauvais. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, je sais parfaitement ce qui est arrivé à ce colis. J'imagine que Monsieur Brennan a oublié de vous dire que je le retiens à cause de ses innombrables taxes impayées. Mais là aussi... Il est peut-être pas au courant. Bon, je vais vous dire. Je vais débloquer ce colis. Mais d'abord, j'ai besoin d'une faveur, puisque vous semblez savoir vous taire. Vous voyez, on a volé ma navette personnelle. J'ai besoin de quelqu'un pour la trouver et la détruire. Discrètement. Personne ne doit être au courant. Dans ce cas, marché conclu.
Je vous enverrai la dernière position connue du vaisseau. Et rappelez-vous, pas un mot ne sort de cette pièce. Je pensais que j'avais l'étoffe pour être de l'avant-garde. Bien sûr. On sait que vous n'êtes pas avec la flotte. Un conseil ? Apprenez le jargon avant de tenter quelque chose d'aussi stupide. On a besoin de pièces pour réparer notre astromoteur. Vous avez deux choix. Soit vous nous les donnez sans faire d'histoire et on vous laisse peut-être vivre. Soit on vous réduit en poussière et on prend le tout. Je compte jusqu'à 20 avant de choisir pour vous. Vous voulez parlementer ? Filez de compter, vous attisez ma curiosité. C'est quoi ce ton, assuré ? Peut-être, mais non. Cette erreur pourrait vous être fatale. Ouais, je vais pas tomber dans le panneau. C'est tout ? Navré, rien de personnel, mais on a besoin de votre vaisseau, et je me moque de votre fichue mission. Mais j'admire votre culot. Vous savez quoi ? Je suis d'humeur charitable. Donnez-nous les pièces dont on a besoin pour réparer notre astromoteur, et je vous laisserai vivre. J'admire votre confiance. On s'assurera de faire flotter votre cadavre vers un endroit sympathique. Les
défoncer quand on en avait l'occasion. Alors, regarde-toi maintenant.
Tiens, tiens, tiens. Que me vaut le plaisir de cette visite? L'immeuble Lux n'a rien d'exceptionnel, mais beaucoup de gens y ont des lieux difficiles. J'espère que vous avez arrangé notre petit problème. C'est bon de vous voir. J'ai hâte de conclure notre collaboration. Vous avez géré mon petit problème? Je vois le genre. Vous savez quoi? Supposons que vous avez vraiment cette note et que vous considérez vous en servir contre moi. Si vous voulez vraiment aller dans ce sens, je vous en débarrasserai et je vous rémunérerai bien mieux qu'avec la simple cargaison de Monsieur Brennan. Ensuite, vous et moi, on part chacun de son côté et on ne parle plus jamais de ça. On est d'accord? Allons, ne m'obligez pas à vous expliquer ça. Qui dit sécurité privée dit trace écrite. Au vu de la tâche ingrate, j'ai dû faire appel à des gens que ça ne gênerait pas. D'où les pirates. Et vous? Compris? Bon, alors, cette demande de rançon. Vous savez, vous étiez censé détruire le vaisseau pas à l'aborder. Et même si je n'aime pas beaucoup le chantage, vous faites le bon choix en acceptant de garder cette affaire secrète. De toute façon, personne ne vous croira sans preuve maintenant. Alors, cet échange fera en sorte que la vérité reste entre nous. Maintenant, prenez le colis de Brennan et votre compensation, et dégagez de ma vue. Que ces mines fonctionnent toutes seules. J'aime penser que c'est grâce à moi. Ma commande, vous l'avez, ça y est? Ah, très bien. Donnez-moi ça. Bon, j'ai probablement des messages importants dont j'ai besoin que vous vous occupiez pour moi pendant que je... m'occupe d'autres affaires importantes. Il vous faudra mon mot de passe. N'oubliez pas, si vous répondez à quoi que ce soit, essayez d'imiter mon style et ma façon de parler. Vous savez, pour la cohérence. Ils ne vous en parlent pas pendant le séminaire d'intégration? Hein? Ils ont supprimé ça, non? Peu importe. Le boulot est très simple. Vous faites ce que je dis, et c'est à peu près tout. Et je suis étonné que vous ayez oublié ça, c'était... Ah oui, un nouveau bras droit, j'oublie. Bonne journée.